Coucou les amis. Et voilà, ça s'appelle « Putain, c'est génial », comme dit mon copain Gérard, « Putain, c'est génial, c'est que de l'amour ». Gérard, avec qui j'ai passé un moment formidable l'autre jour sur RTL. Donc, voilà, c'est l'album. Il y a 12 titres dessus, je vais vous les détailler un petit peu. Il y a « Putain, c'est génial », dont vous avez déjà vu le clip. Après, il y a une chanson qui s'appelle « Ça fait mal aux trois points ». En fait, ça fait mal au cul. C'est à propos de tout ce qui se passe aujourd'hui et puis les prix qui montent. Voilà, ça fait mal au cul. On nous prend pour des cons et on n'en peut plus. Ça, c'est les paroles. Après, il y a une chanson qui s'appelle « Tavernier ». Alors ça, c'est pour les soirées où vous êtes tous autour d'une table. Et ça s'appelle « Tavernier, tavernier, apporte-nous à boire. Faites la fête avec ça, comme d'habitude. Hein. Mais ne buvez pas trop, avec modération. Hein. » si vous voulez. Après, il y a une chanson spéciale dédicace à Madame Hidalgo, ça s'appelle La Mer 2, Paris, évidemment. Et puis, il y a une autre chanson, alors là, qui s'appelle Et ça ira, qui parle un peu plus, c'est un message un peu plus positif, un peu plus sérieux. C'est un peu ce qu'il y a dans mes bouquins. Et à propos de cette chanson, Et ça ira, on va faire un clip le 8 mai dans les rues de Martel, chez moi, dans mon village que j'adore, où il va y avoir plein de monde qui va chanter avec moi cette chanson, Et ça ira. Après, comme dans tous mes albums, j'essaie de diversifier, de faire plein de styles différents. J'ai fait un hard rock, que je dédicace à mes copines, les jumelles, qui s'appelle « Tête de nœud ». Après, il y a une autre chanson qui s'appelle « Remets la tienne avant que ça ferme ». Alors ça, évidemment, vous le voyez venir, ça se passe dans un bistrot. On a tourné le clip au Gueuleton, au Avril, vous allez le voir bientôt. J'ai fait une parodie de rap aussi qui s'appelle « Starbucks Rap », vous allez vous marrer. Une chanson qui s'appelle « La chanson du réveil » pour vous réveiller de bonne humeur le matin, ça c'est du jazz avec un big band. Une autre qui s'appelle « Tatouf », je dis que c'est une chanson pour les enfants, mais c'est pas vraiment une chanson pour les enfants. Et puis comme dans tous les albums, à la fin, il y a une chanson et qui s'appelle « C'était génial », un petit peu plus sérieuse, un peu dans la famille de la reine que j'avais fait à l'époque. Et puis, je vous en ai pas parlé, mais le numéro 1 sur l'album, c'est une chanson dont vous allez bientôt voir le clip, qui s'appelle « Les baloches », et dont le refrain fait, bien évidemment, « Fais-nous voir tes baloches, patoche ». Voilà. Celle-là, je la ferai sur scène cet été. Putain, c'est génial aussi. Parce qu'on va partir en tournée là bientôt. Demain, 29, je commence cette tournée d'été à Diemos, à côté de Lyon, avec le spectacle, avec 10 musiciens, avec les danseuses. On va passer un petit peu partout. On va faire Malmort, on va faire Tarascon, on va faire le festival de poupées, on va faire très bientôt, je crois que c'est mi-mai, l'ouverture du festival des bandas de Condon. Voilà, je dois en oublier, mais vous verrez de toute façon. Voilà, alors on se retrouve tout l'été avec ce spectacle-là, avec un autre spectacle aussi, où je vais faire des showcases de 45 minutes, 50 minutes, avec juste un DJ Fanou, et puis mes 4 danseuses, toujours. Je crois qu'on fait l'ouverture de la Feria d'Alès avec ça. Et puis plein d'autres. Donc je suis en pleine forme, j'espère que ça va vous faire plaisir, ça, que vous allez vous éclater, que vous allez pouvoir chanter, danser. Je sens déjà que quand je vais aller dans la rue, on va me dire, fais-nous voir tes baloches, patoche. Et tous ceux qui s'appellent Patrick, ils vont ramasser. Hein. Bon, ben voilà, de la bonne humeur, comme d'habitude. Je vous souhaite un bel été, au passage. Nous, on va avoir du pain sur la planche. Voilà, je vous embrasse très fort.